Chico Chundi, le joueur de TP Mazembe. Il a été l'un des plus pesants sur la défense des Diables Rouges et c'est lui qui trouve l'ouverture dès le retour du vestiaire. C'est le Fimbu de Chico Chundi, on l'a vu. Très peu de monde avait parié sur la titularisation de Chico Chundi. C'était plutôt l'autre corbeau, Philippe Kinzumbi, qui partait avec les meilleures chances de démarrer. La Covid-19 s'en est mêlée. Flora Ibengen avait tort de constater. Il y a des gens qui m'ont souvent reproché de ne pas mettre toujours la même équipe. Ben voilà, je crois qu'avec cette maladie, ça donne un petit peu raison de faire confiance à tout un groupe. Chico Chundi, Chundi, il est passé, il va centrer, Jackson ! L'ancien joueur de l'école de foot Moïse Katumbi, qui a prolongé son contrat au TP Mazembe l'an dernier, est un potentiel à l'état pur. Selon certaines indiscrétions des entraîneurs congolais, Chico Chundi Wakubanza est un crack qu'il faut entraîner pour dire, orienter, donner des missions spécifiques et surtout responsabiliser en attaque. On a demandé à certains joueurs qui étaient un petit peu plus poussifs de se montrer à l'image de Chundi, que j'ai menacé de le sortir rapidement parce que le rôle qu'on lui avait donné, il ne le faisait pas en première mi-temps. Et puis on est reparti avec beaucoup d'allant en seconde mi-temps, on a marqué. Aux dernières nouvelles, le buteur des Corbeaux souffre d'une légère blessure à la cheville. Jambo wa fanatique beauté, il t'a fait tout pour me signaler que santé en haut bien, t'en es soigné, mais pas ta cou, cheville droite. J'espère que ça va aller. Aïna grave ça, il bien. J'espère qu'il va se remettre très vite. Apprend-on du coach Flora Ibengue en zone mixte au sujet de son buteur.